Choose your character! Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro... Oh, je sais pas, 23. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Très longtemps. Oui, c'est super, ça va être la redécouverte pour moi. Alors, on lance l'épisode. Ben, je vais lire le journal tout simplement de quiz, ça va être plus simple. En sous-nombre, c'est peu dire. On est vraiment dans la mouise. Le mouchard de requête nous a mené à une armada de vaisseaux enrôlés par l'église. On a besoin d'une armée de... Et Lady Elmender est notre seul espoir. Le hic, c'est qu'elle nous... déteste, mais je parie qu'elle nous pardonnera qu'on lui offrira le plus grand des monstres, Fin Fang Foom. Bon, ça commence mal, on s'est écrasé sur MacCluck 4, mais ça ne veut pas être pire, non. Voilà, nous sommes sur MacCluck 4 pour essayer de chasser Fin Fang Foom, le grand monstre légendaire, pour qu'elle ait mis MNR et nous aide à faire une armada contre l'église de la foi, de machin, de bicouille, de racker, rappel, tête qui a un ticket de métro jaune sur la gueule. Oh, super, vous avez des hémorroïdes sur la tête, les gars. Bravo. Ah, attendez, votre... Ah oui, d'accord. Votre faiblesse, c'est l'électricité. Oh, bah, vas-y, Groot. Hop, ça a marché. Oh là. Ok. Ah oui, alors, hop là. Faut que je me rappelle les touches. Vas-y, m'excuser. Ouais, vas-y. Oh, je ne sais pas sur qui je tire, mais je tire. Wow. Ouh. Oh, yes. Par-dessus. Oh là là, la prise de catch. Vas-y, défonce-la. Vas-y, Gamora. Rocket. Explose tout. Rocket, aussi, défonce-lui aussi, là. Oh, putain, il pète en plus, putain. Nous vaincrons cette bête. Putain. C'est notre destinée. Putain, leur maître, ça doit être moustique. Putain, je confonds mes touches pour esquiver. La carapace de Jekbek est très frustrant. Tu peux lancer ce gros rocher, Drax, merci. Oh, il a perdu déjà une vie, c'est bien. Et Groot pique aussi, ouais. Faut s'en débarrasser d'un, ce serait déjà bien. Bien sûr que ça va marcher. On l'a préparé ensemble. À moi. Mitrailleuse éclair. Mitrailleuse éclair. Oh putain, il y en a qui pète dessus, c'est pas grave. Oh, j'ai esquivé. J'esquive ça. Dommage que fou mais pas bouffé ce truc avant qu'on arrive. Attends, c'est pas lui que je visais, c'est lui. Allez, allez. Le vélin couvert de sport ne semble pas avoir de points faibles. Mais si, on va le tuer, on va le tuer. Oh putain, mais ils ont combien de vies? Ah oui, j'ai pas pris le bon. Excusez-moi, ils se ressemblent tous. C'est notre destinée. Ouais, c'est bon. Dans la gueule. Oh, attention, prise de catch. Souplex. Oh, mesdames et messieurs, c'est un combat d'anthologie. C'est le... Ah, attendez, C'est le Munchiger face au grand catcheur. Hop, la Drax. Oh mon dieu, mesdames et messieurs, vous allez pas voir ce... Vous ne verrez jamais ce combat ailleurs qu'ici, sur Cuts and Family. Abonnez-vous, mettez la cloche. Groot, merci de passer devant, merci. Wouh. Je l'ai esquivé, nananana. Tu peux lui faire beau. Merci. Arrête de péter. Là, c'est la... Oh, j'ai plus l'énergie. Drax, défonce-le. Oh là là, petit freeze. C'est bon, on l'a eu. Pique. Oh bah les piques l'ont fini dans le cucu. Et voilà, les piques dans le cucu, c'est bon. Ah, c'est la faiblesse de moustique en fait. Il pète comme moustique, c'est la faiblesse de moustique. Fou, mais combien de fois plus gros, plus fort et plus fibreux que la chose qu'on vient d'affronter? 10 000 fois. Ah bah oui, quand même. Personne n'a dit que ce serait facile, Rocket. Oui, non mais je sais, mais 10 000 fois. 10 000 unités. Drax connaît pas le second degré. Naunan Fuden. Pardon, excusez-moi. Référence Dragon Ball, vieux. Par contre, ces pics sont vraiment mal foutus, hein. Gamora a raison. On a tous vu de quoi l'église était capable. Il y avait encore un chef. Quoi qu'il arrive, on s'arrêtera pas avant d'avoir capturé Foom et d'avoir allié Lady Elbender à notre cause.
Une cascade glacée, c'est joli. Ok. Ah ah! Attends, Gamora avant, tu peux m'aider? Gamora? J'aurais sûrement une bonne vue de ce qui se trouve devant, de là-haut. D'accord, Peter, mais fais attention. Oui, je vois la vue, c'est pour faire des belles vignettes YouTube. Hein bon, il y a un costume. Foum se cache peut-être pas dans une montagne après tout. Oh. Il est peut-être quelque part en bas. Oula, mais qu'est-ce que c'est que. Franchement, si j'étais un dragon, je squatterais carrément là-dedans. La légende veut effectivement que Fin Fang Foom rôde dans la plus grande. C'est très joli, par contre. Parfait. Il doit sûrement y avoir une façon de longer le bord et aussi de trouver un moyen de descendre. Le panorama était superbe. C'est de toute beauté. Gamora, tu pourrais. Oula, petit saut. C'est la cape qui te gêne, moi je comprends. La cape est peut-être un peu trop, mais en même temps elle est bien. Ah, peut-être un peu trop longue en fait. Voilà, regardez ces traces de griffes. Ça doit sûrement être Foom, pas vrai? Il est encore. Ah, c'est des crasses de griffes, ça, je pensais que c'était de la montagne. Et ben quand on le trouvera, évitez les griffes. Il va nous falloir une très 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 grosse cage alors, hein. Si on veut le capturer, parce que. Quelqu'un a une. Cage montagne sur lui? Quelqu'un non garde un œil sur le ciel? Ouais. Ah bon, il est plein de météorites. Préviens-moi si jamais le danger vient d'en haut. Et toi, préviens-moi si jamais il vient d'en bas. Ouais, je pense aussi qu'on doit traverser, mais là... Ok. Je pense que c'est la première étape d'un plan très complexe pour franchir ce gouffre. Ah oui, d'accord. Quelles sont les prochaines étapes? Ça reste encore à définir. C'est de pousser ce petit creux. Arrangez. Je crois que je sais ce qu'il veut faire. Ouais, nous écraser. Mais non, je vais lancer... Je veux que Drax range ce rocher. On le balance? Certainement. Si nous mourons aujourd'hui, sachez qu'on dit que Fin Fang Foom réserve une place de choix au crâne de ceux qu'il juge dignes. J'ai pas envie que Foom joue avec mon crâne. N'aie crainte, il le clouera sur son trône de crâne sacré. Pourquoi un dragon aurait un trône? C'est une métaphore? Non, c'est un trône, fait de crâne. Nos crânes si nous mourons dignement. Je sais pas quoi est l'utilité d'avoir un crâne avec nos six petites têtes, vu la trace géante qu'il a faite. Ça va être un trône géant de crâne, alors. Ce sera plus joli en orbite. Bien sûr. Où faut-il le mettre? Je voudrais bien viser... Ah bah voilà. Faut aller jusqu'en avant, pardon. Je peux dégager la corniche, Peter Quill. Il me faut juste un projectile. Mais bah, je te l'ai dit tout de suite. Excusez-moi, il faut les scanner, j'ai oublié de scanner le rocher. Oh, la vitesse, mon dieu. Sérieusement, je t'ai jamais vu d'aussi bonne humeur. Parce que tu ne m'as jamais vu participer à la grande chasse avant. Et notre mission dans la zone de quarantaine, alors? Oh, allez, on l'encourage, Drax. Ça m'a donné plus de boost. Drax, je sais que t'attends ça depuis longtemps, alors profites-en, mon pote. Merci, Peter Quill. On lui fait plaisir. Je dois avouer que, après tout ce qui s'est passé... J'en avais besoin. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire en plus. Et peut-être que si on t'avait écouté dès le début et qu'on était parti à la recherche de Foom. On serait tous morts. Piquer le cucu, ça. On était absolument pas prêts. J'ai toujours. Préparez-vous. Il y a toujours quelque chose devant. Ah bon, je vois rien, moi. T'as la grosse tête devant. Ah oui, une limace gelée. Bah vas-y, Drax, mets-toi devant. Devant. Ne sous-estime pas les créatures qui survivent. Pique-la. Voilà, pique dans le cucu. Tue tout le monde. Ta gueule! Oh merde! Le coup de pique a pas fonctionné! Putain, il faudrait que Rocket il lance un rocher là. Non mais attirez-le là! Oh bon, ça compte, ça a marché! Ça a marché! Vous êtes vraiment beaucoup! Ouais! Moi aussi, les mitrailleuses! Allez! Ok, je suis chaud! Vas-y! Non, ok, d'accord! Merci gamin. Oh putain, Drax était... Oh. Mais oh. Il attaque dans le dos. Oh, il se casse la gueule en... Drax, il se casse la gueule. Je comprends. Ça glisse, ça glisse. On prend le temps de réfléchir deux minutes là. Ça va être ça son excuse, ça glisse. Et si c'était déjà trop tard? Très joli bug. Si Racker finissait ce qu'il a commencé et que le rituel... Alors, on fait tout ça pour rien? Pas pour rien. Si notre dernier acte est de défier Fin Fang Foom, alors ce sera un acte honorable. Ah, mais ce sera pas mon dernier acte, je suis un survivant, moi. Alors espérons qu'il ne soit pas trop tard. Bon, alors, trouvons un moyen de sortir de là, j'ai l'impression qu'on est pressé. Oui, bah je le fais, t'inquiète. Là, vous voyez, encore
des montagnes sinistres. Moi, cette planète, elle me fout les miquettes. J'ai toujours l'impression que Foom va surgir derrière nous. Fin Fang Foom est une créature légendaire. Je crois qu'on le verrait s'il arrivait derrière nous. N'attaque pas par derrière. Peut-être. Mais les créatures rusées, si. Ouais, mais je pense qu'on la verrait hein, quand même, Gamora, s'il attaquait. Il y a un truc là. Je pense qu'on le verrait hein, si elle attaquait. Hein la taille du. Ça fait la taille d'une montagne quand même, ce film Fang Foom. Comme la mer de magma éternel de Corberus 6. Ou les tempêtes de pluie coupante perpétuelle de Celestie Prime. On va regarder en bas. Trop tard. D'accord, d'accord, ça flaque. C'est chaud. On dit que Fin Fang Foom utilise la surface instable de la planète pour tester ses adversaires. Oh, ça me rappelle un peu trop les tirs au bonus. Bien joué, Kakarantara. J'ai une idée. Pourquoi on n'attirerait pas Foom dans une de ses grottes toxiques pour l'endormir? Ce serait lâche. Je veux le tuer moi-même. Je pense pas qu'il rentre non plus. Pour la dernière fois, Drax. On va pas tuer Fin Fang Foom. On va le capturer et l'offrir à Lady Elbender pour qu'elle nous pardonne et qu'elle nous aide à combattre les villes. Ça a l'air compliqué. Ah non, c'est moins compliqué que le capturer déjà. Ah, j'avais pas vu. Je cherche le petit trou. Oh oui, j'adore repérer des trous. Oh, pardon. Bah, j'ai compris. Je me tiens à distance. C'est bon? Ouh, c'est froid. Ouh, c'est gelé. Ouh, heureusement que j'ai mes bottes. C'est bon, les trous sont bouchés. Comme me dit ma femme le soir. Vous inquiétez pas, j'ai pas de femme alors. Pardon là. Rocket, t'as de l'eau jusqu'au cou? On est à deux doigts de dompter un dragon légendaire pour tenter de sauver la galaxie. C'est bien, là. Allez, pas nous retarder. Il a surmonté sa peur. Tu m'impressionnes. T'as vraiment surmonté ta peur. Ouais, on peut passer à autre chose maintenant. Ouais, on peut passer à casser ce... Drax, mon pote. Gros tas de pierres. Tu sais quoi faire. Oh ouais. On pourrait pas... Ah, les monstres. Ah, des tentacules. Au secours. Je connais, j'ai vu trop d'Untail pour savoir comment ça va finir, cette histoire. Gamora, reste à l'écart. Gamora, reste à l'écart. On sait comment ça s'est fini. Votre bestiole a trucidé, les gars. J'ai dit Gamora, reste à l'écart. Oh, bien joué, Groot. Patate. Patate, ouais, c'est bon, j'ai retrouvé les sensations avec la patate. Ouh. Ah, attaque, m'attaque. Oh, coup de boule, je crois que c'était un coup de boule là par contre. Drax s'amuse beaucoup trop quand même. Bon, bah merci. Excellente initiative. Et là, alors, je vais juste faire une petite pause. Et là, vous voyez que Groot a fait un pont sans que je lui demande. Alors, vous voyez qu'on met... Et en fait, c'est là qu'on voit l'évolution des persos. Parce que vous allez voir que plus on avance dans notre amitié, plus on avance dans notre équipe, et plus vous voyez que en fait, ils prennent des initiatives. Et je trouve ça assez cool pour le jeu. La physique de cette cape. Les mecs se sont fait chier de faire une physique pour la cape, hein, que c'est juste un costume en DLC quoi. Bon, je ramasse, mais j'ai pas besoin de le ramasser, je sais. Pardon, Drax. Tu chantes très bien, Drax. Une très belle voix, franchement, t'as déjà essayé d'être ténor? Pourquoi bah faire tomber ce gros pilier qui ressemble à la taille de ma ceinture, une grande ceinture comme ça pareil. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui lui arrive. Il va falloir plus qu'un rocher pour l'avoir. Je sais. J'essaie juste de rester positif. Quoi? Je vois ça comme du renforcement d'équipe. L'équipe n'a pas besoin d'être renforcée. Je vous aime les gars. Elle est parfaite comme ça. Ouais, elle est correcte. Franchement, après tout ce qu'on a traversé. Oh des boules. Je suis content de vivre cette aventure. On dirait un film porno. Moi, je vous aime grave, les gars. Il faudrait boule partout dans le jeu, quand même. Il faut savoir garder certaines choses pour soi, Peter. Ouais, t'as tout bien fait. Oh ! Oh, putain ! Oh, c'est bon, j'ai. Je me souviens plus de ça. Les autres Maclou n'y sont pour rien. Oh, Groot, tu triches. Groot, tu fais ton Gideon, tu triches. Oh, bah ouais, mais ouais, mais moi aussi, je peux être. Si j'avais des racines que je pouvais étendre à volonté. J'en ai une grosse racine mais je peux pas l'étendre. Bon, je vais à gauche. Parce que comme ça. Ça va éviter que vous mettiez le cul de Gamora. Bon, elle a sa cape, heureusement que ça cache un peu. C'est pointu. Ce n'est rien comparé au crocs et au griffes légendaires de Fin Fang Foom. Je vais être extrêmement déçu s'il n'est pas à la hauteur de sa réputation. Toi, tu me rassures pas surtout.
Regarde, Peter. Il y a de la fumée devant. Et joli. Il y a de beaux panoramas. J'ai déjà dit plusieurs fois dans le jeu, mais... Moi, je trouve que c'est important de redire quand même. Parce que le jeu n'est pas parfait. Mais il a une bonne ambiance. Oh, pardon, faut que je parle à Gamora. Tu crois que c'est Foom ? Ah bah merci de me faire un plus gros zoom sur le panorama magnifique. Peut-être où il est. Il pourrait aussi nous attaquer. Il aurait tout le temps de nous attaquer depuis le temps. C'est dans leur camp et trouver des maillons faibles. J'en prendrai un qui servira d'exemple et je l'égorgerai devant ces hommes. Avec un peu de chance, ils se rendront sous le coup de la panique. Ensuite, on élimine les autres. C'est peut-être un peu... Est-ce que ça va ? T'es sûr que tout va bien ? On n'a pas vraiment parlé après... Que j'ai dit que j'ai tué ma sœur ? Ouais, ça et d'autres sujets un peu sensibles. Ça va, à peu près. Ok. Peter, il y a de fortes chances qu'on puisse plus sauver Nikki. Non, je refuse de l'accepter. Et si c'est le cas, je sais que vous vous tournerez vers moi pour faire ce qu'il faut. C'est ma fille. Mais c'est moi la tueuse. On le sait tous les deux. On n'en arrivera jamais là. Et si c'est le cas ? S'il faut choisir entre elles et absolument tout le reste, Peter, tu serais prêt à tout pour sauver ceux que tu aimes. Et on sait tous les deux que je... On sait tous les deux que t'en ferais autant. C'est pour cette raison que j'ai besoin de toi pour ramener ma fille. En vie. Mais pas sûr, regarde, c'est J'espère pas, c'est que t'as raison. On n'a pas fait de test ADN encore. À savoir, j'ai pas le sang bleu. Ou alors c'était mon sperme. Oh, faut que j'aille voir un médecin. C'est dégueulasse. Oh. C'est joli, plein de ils vont chanter tout le temps. Attention, ça glisse un peu, hein, la neige, la glace, tout ça, tout ça. C'est fort. Oui. Continue. Oh, il n'y a plus des cailloux maintenant. Rectangulaire et bien, en angle droit et tout, hein, franchement. Mais comment ça peut... Ah oui, c'est vrai que la planète elle est autour de... Ah oui, j'avais oublié ça. Franchement, je sais pas comment ça fait cette planète pour faire des carrés aussi, des rectangles aussi beaux. C'est parti. Oui, le toboggan géant. Mais attendez-moi les mecs, passez pas devant moi. Ah putain. Oh putain. Une chance que ma peau soit aussi résistante. Youh. Et ouais, moi j'atterris pas comme tout le monde les gars. Ah oui, d'accord, je vois ce que c'est. C'est bloqué. Excusez-moi. Bonjour monsieur, joli dread. Fong-foum, vous l'avez ah, vu ? Ce n'est pas des dreads apparemment. Des grandes ailes, des dents pointues, un short violet. Mais de quoi tu parles, un short violet ? De quoi ? Il paraît qu'il porte un short violet. C'est ce que certaines légendes anciennes rapportent. Ça c'est lui que je crois. Ça fonce droit sur nous ! On peut pas passer. Oh, nouvel upgrade. Mise à jour terminée. Faites-moi confiance. Mise à jour en cours plutôt. Mise à jour en cours. Mise à jour bientôt terminée s'il vous plaît. Mise à jour terminée. Mode sauna. Ou magma, ça dépend comme vous voulez. Je suis sûr que ça peut servir en tant que sauna. Oh ouais. Oh, j'adore ce truc. Et voilà la nouvelle upgrade de l'arme. Mesdames et messieurs, je vous présente. Attention, Peter. Ça marche. Je vous présente. La version magma. Hop là. Version feu, hein, comme vous voulez. Ce caillou a essayé de nous tuer, hein, sinon on n'aurait jamais découvert le nouveau pouvoir. Fais fondre ça aussi. De quill, oui, merci. C'est ça. Wouh. Vous faites les deux, comme ça tout le monde choisit son chemin. Tout le monde choisit son bord politique. Ah ouais, vous êtes tous de droite, quoi, je suis bloqué. Bon, je vais être le seul de gauche alors, hein. Un petit peu d'égalité. Même s'il n'y en a pas vraiment, moi. Bref, ça va être pour les centristes, ils pourront pas passer, à part s'ils peuvent traverser les murs. Oh, une carcasse. Je peux pas... Ah, merci.
Oui, bah des restes d'animal, merci, j'avais compris. Oh, oh, je suis trop jaloux. Fais gaffe, ça a failli être un bruit assez suspicieux quand même. Ah, je vais monter. Ah, je cours, c'est bon. Je peux pas sauter, ça me rappelle cette espèce de boue magique que je faisais quand j'étais petit. La boue n'a rien de magique. T'es jamais allé au spa sur Contraxia? Non, en effet. J'ai vraiment du mal à t'imaginer dans un spa. Justement, c'est un spa magique. Ok. Ah, pardon, excusez-moi. Vous, mortel, et faites place à la puissance du Fondinator. C'est complètement pourri comme nom. Hein? Et t'en as un mieux? Les crache-feux de Peter. Non! Capitaine boule de feu. C'est pas une boule de feu. Oula! Non, non, c'est plutôt un globe chaud. Capitaine chaud du globe. Chaud du globe? Non. Ça, c'est pour un titre de porno, Gracon. Reste sur sur autre chose. Sur autre chose, parce que là. Comment tu savais que tes pistolets allaient marcher tout à l'heure? Ils nous ont déjà sauvé la vie trois fois. Ouais, ça fait beaucoup. Comment tu savais? On aurait dit un scénario de jeu vidéo. Oh, j'en savais. Rien. Donc, on aurait pu mourir dans d'atroces souffrances. Oui. Ouais. Mais c'est ça l'aventure! Hein? Les trucs impromptus, l'aléatoire! Savoir si on va mourir ou pas? C'est quoi ce flactard? Et si c'était son nom? Il essaie peut-être de communiquer. Peter, non. Je s'appelle vous. On va essayer quand même. Wendigo! Ah, ça marche? Vous voyez? Il voulait juste un. Ok, bon. Et ben maintenant, on sait qu'ils sont tout autour. Ok, il y a des Wendigo. Regardez ces arbres pointus. Ne les regardez pas de trop près. Un cracheur de sport. Oh là là, on ne fait pas attention dessus. Aux plantes avec tous les trous sur le dessus. On brûle, allez là. On brûle la faune et la flore. Ah, trop cool. Je m'en lasse pas. Mais attends, ce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, hein. Hop. On va montrer ce que ça fait quand même. Hein. Ces plantes le méritent. Ouais. Oula, ça me pète dessus. On a compris ce que ça fait. Ah, et là vous avez un secret d'un costume. Attendez, je vais vous le montrer avec plus près, mais si vous l'avez vu loin. C'est étonnant que Lady Elbender n'élise pas domicile ici. Continue. Oh putain, oh merde. Ah, ça brûle. Ah non, ça pue surtout. Audix, ce sont des spores corrosifs. Vous approchez pas trop. Croyez que Bouton d'Or est en train de se faire torturer? Je pense plutôt que c'est lui qui torture Racker. L'homme doré est impressionnant. Je crois qu'elle veut dire en blablatant, Drax. Ça ne doit pas être une méthode très efficace. Oh, quoique, moi je peux m'ennuyer facilement si on parle pendant des heures. Oh, Wendigo bleu! Ah, c'est bien, il n'y a pas de racisme aussi. Il y a du noir et du blanc. C'est une belle communauté quand même. Bon, un peu agressive. Et qui apparemment veut nous bouffer, mais au moins pas raciste, j'ai envie de vous dire. On va prendre des infos sur ce personnage. Wendigo, agressif et résistant. Non, sérieusement. Drax, lance-toi en rangée, je crois que c'est ce qu'ils comprennent. Oh, c'est bien, en plus ils sont au faible feu. Oh, mais fantastique. Nul doute que ces bêtes servent de subsistance à fou. Wouh. Dans ce route, parce que c'est du feu quand même. Hop, vas-y, défonce-le. Ils mourront où ils ont vécu. Ah merde. Vas-y Gamora. Oh oui. Patate. Oh. Oh, je pouvais le finir avec une combo. Je suis déçu. Attendez, faut finir lui là. Non, lui, je visais lui. Wouh. Oh pardon, je l'ai pas vu arriver. Par contre ça, j'ai vu arriver apparemment. Et c'est cassé la gueule ou c'est moi? Oui, c'est cassé la gueule. Putain, par contre, je viens de tuer un noir, faut que j'aurai des problèmes. Putain, j'aurai dû me concentrer sur les blancs. C'est pas trop tôt. À part Wendigo. Oh putain, il y a des, à chaque fois des combos chelous. Wouh. Gamora, si tu veux faire quelque chose. Merde, trop loin. Ah oh, putain, il s'est barré à ce moment-là. Oh putain, c'est encore un noir. Oh, y a... bah d'accord, bon, bah, je suis obligé là, par contre. Trop rapide que la taille qu'il faut. Je te prête pas, mais...
Et Jetbot. Hop là. Oui, l'explosion aussi à Archaïque Rocket derrière. Ou pardon, pendant que ce Gamora est en train de se battre toute seule là-bas. Ouh. Il faut l'immobiliser. Merci. Non, c'est pas lui que je vais immobiliser. Hop. Tu nous as donné du fil à retordre. Mais je finis. Hop là. Tu vas. Vas-y, défonce le Drax. Attends, faudrait que j'attire là. Faudrait que j'en attire ici. Oh ouais, ça a fonctionné. Bien sûr, les piques qui est tombé. Oh merde. Il y a encore un truc là-bas. Est-ce que je peux l'attirer là-bas, vous pensez? À part Wendigo, allez, j'ai encore des roquettes de rempli. Oui. Et Gamora, vas-y, fille. On... À deux, on y va, on y va. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oh. Stylé. Ok, les singes des neiges. Fini de jouer. Wendigo, tu veux vraiment les singes des neiges comme ça? Ouais, est-ce qu'on va avoir des problèmes? Il y en a qui sont morts dans le temps. Pas prêt de se débarrasser d'eux. Je tiens à dire que j'ai tué par tout le monde équitablement. J'espère que j'ai tué plus de gens que de noirs sinon on aura les gros problèmes. Le jour où tu te gèlerais les tétons avec nous. Peut-être que Hellbender. Mais non, il peut pas avoir froid, j'ai mis une belle tenue. S'ils nous en veulent plus d'ici là, ouais. Oh là. Raté. On dirait moi qui vise. Oh, par contre, monsieur, vous faites du voice face. Il a un visage blanc hein, sur un corps noir. Bon, de toute façon, il s'en fout, il aura jamais de problème pour ça. Oui, un toboggan géant encore. Beaucoup de toboggans géants. Ah, c'est peut-être une sorte de communication. Explosion. Michael Bay. Hop, roquette, explosion. Encore, s'il te plaît. Merci. Patate. Oh non, oh il a esquivé mais oh coup de boule. Ça me rappelle notre chasse aux monstres dans le secteur interdit. Et grenade. Oh il y a des limaces avec. Oh j'ai loupé. Drax, vas-y, on lance des rochers. Attention. Là, il a sur qui? Ah oui, lui, le petit lama. Sérieusement. Arrêtez de se tortiller. Définitivement. Oh, double badge, j'ai un peu le poulet la première, mais c'est pas grave. Il faudrait que j'en attire aussi, ça souci, ils viennent pas là où. Ah, Gamora est gelé! N'épuise pas trop avant la grande finale! Je vais te décongeler! Vite, dégeler, vite, vite! Oh putain, je sais qu'elle avait du sang-froid, Gamora, mais à ce point-là. Pas tout à fait! Merde, c'est pas ça! Pas encore là. Allez, vas-y, petite explosion! Oh non, elle est encore gelée, sérieusement, mais Gamora! Sors du congélo! Définitivement. Allez hop. Attends Groot, vas-y. Ouais merci Groot. Ah, elle est encore gelée. Putain mais j'ai l'impression que t'adores être une glace Gamora. Tout ça pour que je la lèche. Ouh par contre ça. Ouh là là. Ça va être censuré. Oh putain. Oh putain. Laissez-moi dégeler Gamora. Ah mais s'il vous plaît les gars, vous pouvez m'aider. À l'explosion, voilà. Merci. Merde. Attends, vas-y, fonce dessus surtout. Tu vas passer sur le grid. On va mettre un petit bouclier parce qu'ils sont beaucoup quand même. Ouh. Allez, rassemblement parce que là, ça commence à être casse-couille. Oh, là, ils sont casse-couilles. Faut finir cette vidéo, hein, là. Ouais. Fais donc ce moment, mes amis. La victoire sera bientôt à nous. Nos noms seront dans les livres d'histoire, Peter Quill. Et ils seront bien orthographiés. Faut rester sur les gardes, les gars. Je sais que vous voulez faire la fête parce qu'on est à deux doigts de gagner ce combat. Mais... Gamora, tu feras gaffe. T'as ta cape qui te rentre dans le thorax. Mais c'est pas trop grave. Je suis sûr que tu peux... Un petit Loliprane, ce sera bon. À ces gros nazes qu'on déchire. Qui est avec moi? Je suis avec toi, Peter Quill. Allez, on les défonce. Hop là. Oh, dans les couilles, déjà. Hop là. Explose tout, Rocket.
Oh, moi ça fait bizarre, si j'ai pas de musique, moi je vous ai rajouté de la musique, moi j'ai pas de musique. Je vais tout et n'importe quoi. Hop là. Oh, dans les couilles encore, hein, putain. Bon, elle avait presque plus de vie, elle avait plus besoin de faire ça. Oh! Vas-y, petite explosion là, vas-y, roquette, pour finir. Oh, on a pas vu l'explosion! Ah, oh, c'est le White Face! Ah, mais c'est. Ah, c'est le Wendigo mime! Faites-nous un mime, monsieur, faites-nous! Ok. Bon, j'aurais peut-être pas dû claquer le rassemblement maintenant, mais. Oh putain! Vas-y, défonce-le! Rocket, mets tout! Drax, lance-tu un gros rocher dans la gueule? Merci! Ou dans le dos aussi, ça marche! Immobilise le Groot! Pendant. Vas-y, moi je. Je lance une mitrailleuse! Ouais, c'est bon! Drax! Vas-y, défonce-le! Hop là, je vais esquiver ça, mon gars. Et vas-y. Oh, il y a encore une vie, c'est vrai. J'essaie de le geler, mais ça marche pas. Ça peut pas marcher. C'est son élément d'origine. Il est habitué sur cette planète. Immobilise-le. Route. Vas-y. Ah bah vas-y, bah fais-toi plaisir. Ouais. Ouais, dans les couilles. On a tué leur chef. Alors point faible, c'est les couilles. Vous cherchez à. Oh, j'aurais pas cru. Vous pensez que cette épave est le camp qu'on a vu? Non. Plus il en a pas le mec. Regardez. Ouh, belle bête. Pfiouf, belle bête. Mais on doit trouver un moyen de grimper. Alors question, ça fait prendre le racisme si je l'ai tué parce qu'il est blanc quand même, hein. Bon, il est noir, mais il a un visage blanc. Arrête, c'est le truc le moins dangereux. Ne dites pas dans les commentaires. C'est un gros tas de ferraille. Ouh. Eh ben dis donc, en tout cas, beau combat, j'ai envie de vous dire. C'était de beau combat. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est Kratos. Et on se retrouve pour un prochain épisode sur les Guardians de la Galaxie. Avec Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket et Groot. Salut tout le monde, portez-vous bien.